Bonjour à toutes et à tous. Alors, il s'est passé quelque chose de très 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 bizarre lors du Nexus qui a anéanti la vie des reines du Nord et les a forcées à migrer sur une autre partie de la planète. Le Nexus a également cloné cette planète et les personnages de la nouvelle aventure. Le let's play de Slan sur 119 minutes est donc en double. Allons-y. Il y a quand même eu quelques petites différences avec certains modes qui sont apparus tout d'un coup. Donc, une minimap, le mode Numbers, Force du Job et Work Tab. Alors, où a atterri? Ah, mais c'est bien ici, c'est bien ici. Température moyenne 30 à 66 degrés, uniquement calcaire et ardoise. Fréquence moyenne des maladies 0,7 par an. Eh bien, mes pauvres enfants. Ensuite, nous allons démarrer, tout comme Stan. Prenons Prépare Carfouli. Il a eu la gentillesse de me load preset. Voilà. Voici donc Jean Chauve qui mérite bien entendu sa petite particule. Voici donc tous nos personnages. Ça, c'est vraiment affreux, affreux, affreux. Les relations entre les personnages sont bien toutes là. Et nous pouvons ainsi démarrer. L'équipement est le même, bien entendu. Donc on va bien souffrir, hein, on va vraiment bien souffrir, le pauvre garçon là. Yes, I will. Thank you. Bien, voici nos petits personnages qui viennent d'arriver. Grizzly, je vais déjà t'envoyer faire du travail. Donc vous voyez ici, nous avons la minimap que nous allons régler un tout petit peu. En faisant. Tout ça me semble parfait. Map size. Elle est bien comme ça. C'est parfait pour moi. Ok. Alors, nous avons ici récupéré des débris de vaisseau. À ce que nous pouvons voir, il n'y en a qu'un seul. Non, il y en a un deuxième ici. On va regarder s'il y en a d'autres sur la map. Comme vous pouvez le voir, il y a 1, 2, 3 débris de vaisseau. Nous allons tous. En tout cas, on va déjà en démolir 2. Où est l'autre? Donc, tu mets. Ah, ici, oui. Nous allons démolir ces débris de vaisseau et c'est Grizzly qui va s'occuper de cela. Alors, on va directement travailler avec WorkTab, qui nous permet de grandir un petit peu toutes les données que nous avons ici. Monsieur, on va commencer par Monsieur le Chauve. Nous voulons tout ceci en 1. Même chose ici. Alors, comment je fais pour. Oui, c'est cliquer pour ordonner par colonne. Shift right click. D'accord. Et Shift F click, ça marche aussi. Bien, tout le monde passe. Le coucher pour les soins d'urgence, oui. Se coucher pour des soins, oui. Libellule va être. Notre médecin à deux. Jean va pouvoir
Il n'a pas de soins, lui, absolument pas. Il n'a que deux, mais il peut quand même aider un petit peu en nourrissant les patients. D'ailleurs, ça sera son job numéro 2. Il ne pourra pas opérer un humain. Lui aussi pourra faire la même chose ici, hein. Ensuite, donc, opérer un humain, non. Secourir, ramener les gens au lit, oui. Même chose pour lui. Prodiguer des soins, non. Nourrir les animaux, bah oui, il peut très bien nourrir les animaux. On va d'ailleurs mettre ça en 3. Ensuite, nous avons opéré un animal, non. Amener les patients du bloc au bloc opératoire, oui, il pourra faire cela. Voilà. Et enfin, rendre visite à des colons malades, bien sûr, ils peuvent aller dire bonjour à leurs copains. Par contre, toi, tu n'as pas l'air d'avoir envie. Tu n'as pas l'air d'avoir. Ah, tu peux pas, tu n'as pas du tout de diplomatie, à mon avis, ça doit être pour ça. Ensuite, le repos, ben moi j'aime bien quand les gens peuvent dormir un petit peu, hein. La manutention, nous allons mettre 2 pour Jean le Chauve, parce qu'il ne peut pas faire grand-chose. Les autres seront très bien en 3. Ensuite, Geôlier. Oui, on va te laisser comme ceci. Par contre, Libellule pourrait très bien exécuter des prisonniers. Cela ne la dérangera certainement pas. Même chose, non, là tu peux pas. Relâcher des prisonniers, oui. Conduire des prisonniers au lit, oui. On va mettre 3 plutôt. Voilà. Conduire les prisonniers au lit, les nourrir, oui. Apporter de la nourriture, oui. Par contre, discuter, certainement pas. Voilà, c'est la seule chose qu'elle ne pourra pas faire avec. Ensuite, nous avons Grizzly qui est le dresseur. Oui, donc ici, on va repartir quand même en 3. Regardez tout en 3 ici. Parfait. Le dresseur, bah, tu peux faire tout. Par contre, nous pouvons également donner le travail aussi de nourrir, d'abattre, de traire du lait. Oui, tu apprendras. De ton des animaux, d'apprivoiser, ça tu pourras faire aussi, apprivoiser, ça veut dire, c'est une fois, non, apprivoiser tu peux pas, apprivoiser on ne va pas accepter. Par contre, les dresser tu pourras, les dresser c'est pour leur apprendre des tours, hein, pour apprendre à transporter, etc. La cuisine, alors je ne veux pas que vous cuisiniez du tout. Chasseur, pour le moment, je n'en veux. Oui, je peux vous mettre en 1. Même chose pour Grizzly. Toi, Jean, tu peux pas, t'as pas le droit. Merci, Stan. Constructeur, alors, je pense qu'ils sont à peu près à la même force, tous les deux. 7 sur 20 et 8 sur 20. À partir de 8 sur 20, vous avez 100% de réussite de la construction. Constructeur, autrement, à 7, ça veut dire 98%, 98% de réussite. Donc, on va les laisser faire tout. Par contre, Jean, tu vas, toi, faire pas mal de petites choses. Tu vas pas pouvoir réparer. Tu vas pouvoir désinstaller, par contre. Et ça sera toi qui seras en premier lieu pour les désinstaller. 3. Tu pourras construire des toits. 1, 2, 3. Les supprimer. Tu ne pourras pas construire de structure. Ni. Mais par contre, tu pourras apporter les ressources pour la structure. Ça t'obligera à bouger un petit peu tes fesses. Hein. Tu pourras apporter également les ressources pour le plan de la construction. Tu ne pourras pas démanteler, sinon tu perdrais des ressources. Tu ne pourras pas réparer. Par contre, tu vas pouvoir enlever le sol, aplanir le sol. Non,
Ça, non, je ne veux pas non plus. Et aplanir le sol, tu peux également le faire ainsi qu'aplanir les murs. Ensuite, les fermiers. Mais nous avons un seul, je crois, fermier vraiment rentable, oui. Par contre, ils peuvent tous semer. Même si ça va prendre beaucoup de temps, au moins ça leur apprendra à semer. Ils ne pourront pas tout semer, bien entendu, mais pour au moins commencer à semer un petit peu. Ensuite, on va les mettre en 3, bien sûr. 3, 3. C'est 3 partout. Ok. On continue, on avance un tout petit peu. Mineur. Alors, nous avons mineur ici. Lui, il a 0. Alors, mineur, lui et lui. On va leur donner la possibilité de miner également. Le chauve, tu vas pouvoir miner aussi. Pense pas. Bon. Ça, c'est pas très important. Forestier, bon ben, c'est que la vitesse. On va pas avoir de problème, donc ils vont pouvoir tous couper des arbres, etc. Il va falloir beaucoup plus longtemps, mais c'est pas très grave. Par contre, je vais quand même te mettre en 4 ici. Même chose pour toi, 4. Forgeron ne va permettre normalement, lui il peut également, forgeron de 3. Par contre, je voudrais que ça soit vraiment celui qui est le plus costaud pour le faire en artisanat. C'est-à-dire normalement libellule, 6 et 5. Ouais, ils sont à peu près égalité. Hein. Donc ils vont. Par contre, toi tu n'as pas de. Donc je vais te mettre en 4. Je vais te mettre en 4 pour. Je ne vais pas te permettre de fabriquer d'armes. Je ne vais pas te permettre de travailler normalement. On va te mettre en 4 ici. Ou 5. Voilà, 5. Et tu ne pourras pas fabriquer. Enfin, si, on va te mettre en 5 aussi. Couturier, je vais te mettre en 5. On t'apprendra un peu plus tard à faire tout ça. Ici, 4 et 10. Oh oui, alors là, ça c'est pour le chauve. Artisan, donc 5 et 6, hein, je suppose. On va te donner la même possibilité des objets. Travailler à la raffinerie. Oui, toi, oui. Parce qu'on va avoir besoin d'un deuxième. Je voudrais qu'il y en ait au moins qui monte à 8, qui monte tous les deux à 8. Commençant par celui-ci. Donc, toi, tu vas passer à la drogue, il n'y a aucun problème, tu peux, du moment que tu as suffisamment d'intelligence, ce qui n'est pas sûr du tout pour notre personnage. 3 sur 20, il faudra qu'il puisse monter à 4 pour pouvoir faire de la drogue. La drogue, c'est également les médicaments, bien entendu. Ici, tu peux faire de la pierre. Le genre, tu vas pouvoir aussi travailler la pierre. Faire fondre des objets, aucun problème pour tout le monde. On va mettre 4 et 4. Bon, par contre, tu peux rien faire ici. Tu vas te mettre sur 4 aussi. Ici, et 3. Voilà. Le transport. Ça va être ton point principal. Le nettoyage, tu n'as pas le droit. Libellule, tu n'as pas le droit non plus. Mais que c'est sympathique tout ça. Et donc, le nettoyage passera en dernier lieu. On t'obligera à le faire. Sinon, on va jamais y arriver. Ok. Transport. Ensuite, on va... Tout le reste doit être bon. Ok, on va démarrer comme ça. Rien pour réglage de nuit pour le moment. Ok, bonne chose de faite. Alors, nous allons... Voilà le genre qui va arriver. Grizzly, je t'ai envoyé faire... Non. Alors, tu viens ici. Donc, on va démolir ceci. On va... Démolir. Alors, on a un petit peu d'herbe, comme vous pouvez le constater ici. On a un petit peu d'herbe ici.
Si je regarde, donc ça je vais enlever, voilà, ça je peux un petit peu augmenter. Vous voyez, on a une petite tache ici verte, il y en a deux ou trois sur la carte, pas beaucoup plus. Et des cactus, il y en a un ici, et c'est le seul qui est sur la carte. Bon, le cactus, on va regarder si c'est bien exact, vous voyez. Le cactus vient de s'allumer ici. Il n'y en a pas d'autre. Il y a par contre ici de la machinerie compactée et il n'y en a pas beaucoup non plus d'autres. Ce qui veut dire qu'elle est ici, la suivante, 1, 2 et 3. C'est assez long à miner. Pour donner deux composants, on a 2, 4, 6 composants. 8 composants minimum, mais on en a beaucoup plus à l'intérieur de ceci. Donc on a notre débris de vaisseau ici et l'autre débris de vaisseau ici. Donc Grizzly, tu me fais ça. Pour le moment, ça je vais l'oublier. Je ne vais pas le faire tout de suite. Donc Grizzly, tu me fais celui-ci. Tu me fais le suivant. Ouais, donc. Grizzly, viens ici, démantèle, démantèle, ça je pense que ça devrait me faire 16 composants. 16 composants, ça devrait être suffisant. Une fois que tu m'as fait tes 16 composants, alors nous allons essayer de... deux possibilités ici. On a une possibilité. Qu'est-ce qu'on va faire au départ? Pour aller le plus vite possible, moi j'aimerais plutôt créer notre... Alors, la sortie se fera par ici, quelque part. On mettra un mur ici. On va essayer de ne pas toucher à cette partie-là pour que les ennemis ne puissent pas venir creuser les murs ici. On va laisser ça en naturel. Hein. On va laisser ça en naturel, je pense. Ceci, c'est comme si c'était fermé ici. C'est comme si c'était fermé. Par contre, est-ce que j'aurai le temps de creuser dans cette partie-ci? Là, je n'en suis pas certain. On va commencer tout de suite par faire une zone de... Déjà, retirer la zone de la base. Ok, on a. Étendre la zone de la base. On va faire une base ici. Pour l'instant. Nous allons mettre un climatiseur. Pour l'instant. On va le positionner ici. Comme ça, je ne dois pas faire d'autres murs. Là, il est encerclé. Les murs ici, c'est considéré comme un mur. On va pouvoir se positionner une porte, une structure, une porte en métal. On va se mettre une porte en métal. Si je m'en mets une ici, j'aurai 1, 2, 3. Et une porte en métal ici. On va plutôt déplacer une porte ici. Celle-ci, non. Ici, non plus. On va construire une copie ici. Un bout de mur ici, ici, ici. Félicitations, Slan, il n'y a même pas une seule ruine sur cette carte.
pas une ruine, pas un seul mur, à part, bien entendu, le mur antique. Sinon, il n'y a pas un seul mur. On n'a pas un seul mur. Nous ne pouvons pas récupérer un seul mur. Ah. Non, 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 pas un seul mur à récupérer. Ok. Ma chauve, t'es parti chercher jusqu'à mur plan. Alors, Jean, tu vas plutôt prendre tout ce qui est le métal. Donc, tu vas te faire une zone de métal ici. Ce sera parfait. Je veux ici tout effacer et je ne souhaite que des ressources brutes de l'acier. Voilà. Jean, tu vas transporter de l'acier et tu vas aller me chercher ça. Tu vas laisser tout cela pour notre ami là-bas de l'autre côté et tu vas prendre ceci. Tu vas me ramener ceci le plus vite possible. Voilà. Tu vas également, pour le moment, enlever ton chapeau. Tu vas enlever ton chapeau. Voilà. Ah bon, on est obligé de refaire ça après. Stop. Bibilule, tu prendras ça après. Chrysalide, une fois que tu auras tout terminé, on va regarder. Donc toi, tu viens chercher ça. Ok, Grizzly, on te surveille. Les pauvres bébêtes. Ah oui. On donnera ça vite fait à. Par où est-ce que tu vas? D'accord. Voilà. Combien est-ce qu'on a de composants? 8 composants. Est-ce que tu es encore en bonne santé? Oui. 8 composants. On va également autoriser ici les composants. Donc, les composants, ça va se trouver dans des. Alors, les composants devraient se trouver dans les produits manufacturés. Les composants, voilà. Donc, toi, tu vas. Alors, je vais avoir besoin de combien de composants? Là, j'ai besoin, je pense, de 3 composants. Nous voulons également de l'énergie. Combien tu me coûtes de 2 composants, toi? 100, 200, 300 aciers. Non, on n'aura pas besoin de 300 aciers. La recherche. Je vais avoir besoin soit de batteries, soit de panneaux solaires. On prendra les batteries. J'ai droit aux vêtements complexes, c'est bien. Meubles complexes, on a tout ce qu'il nous faut. Le refroidissement passif, bah malheureusement, ça va être un petit peu difficile de s'en servir. Libellule, tu positionnes ça. Et puis tu prendras le chapeau de cow-boy. Ok, alors.
au niveau des restrictions. Parce qu'on va, on va commencer par faire du loisir pour tout le monde. On va copier et on va coller ici. Ça, c'est au départ. Ensuite, on improvisera. Pour, là, on va laisser tout ce qu'il faut. Gérer les tenues. On va créer une nouvelle tenue qu'on va appeler chaleur. Alors, je ne veux pas, je veux pas de, pour le moment, de recyclables. Je ne veux pas les incinérables. Oui, je ne veux pas de non-incinérables. Les côtés, tu les oublies. Et je ne veux pas de contaminés. Si, je veux bien décontaminer si c'est nécessaire. Si on n'a pas assez de textiles pour fabriquer ce qu'on a besoin, donc autant, là, je préfère perdre un tout petit peu que qu'il soit mort, qu'il ne meure, pardon. Alors, les seuls trucs qui nous intéressent ici, c'est pas les bonnets, c'est pas ça, mais on va pour le moment laisser les bonnets. Ensuite, les chapeaux melon donnent bien aussi, plus ou moins bien aussi, on peut le laisser. Ça, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas d'armure pour le moment. Je veux bien des vêtements de noble, oui, mais ce qui m'intéressera, certainement pas des couronnes. Ça, je voudrais bien par après. Hein, haute forme et chapeau de dame. Tout ça, on va laisser. Alors, pour le moment, je veux pas de ceinture, je veux pas de ça, je ne veux pas. Je ne prendrai pas ça, je prendrai des guenilles. On le fera par après. On fera ça par après. Guenilles de sauvage, oui. Manteau, oui. Pantalon, non. Parka, non. Robe d'optimisation, non. T-shirt, je crois. Alors, peau et la guenille de sauvage, c'est peau. Ok. Donc, je ne voudrais pas de ceci, ni de ceci, ni de ceci. On va créer directement notre truc correct. Donc chemise non plus. Donc tout ça on enlevera. Ça tu peux, je crois. Couche milieu, oui. Couche milieu, ça c'est peau, tu peux pas. Haute forme, pour le moment on ne peut pas ça non plus. On ne voudra que pour l'instant, donc on voudra pas ceci. Et on voudra 51, ça combien? Voilà, 51 points, et nous voudrions un minimum de au départ de normal. Ça sera pour la chaleur. Manteau, guenille sauvage sur la peau, ainsi que le chapeau. Le manteau, c'est à l'extérieur, et corset, ça sera au milieu. Peau extérieur, alors le milieu, nous aurons ceci et nous pourrions avoir également. Non, pour là, je peux pas. Je voudrais un autre milieu torse, c'est la veste royale. Milieu torse, est-ce qu'on a un milieu? Ça, c'est la peau, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, jambe droite. Pour le moment, on va laisser ça comme ça. Je pense qu'on pourra, on aura difficile de trouver mieux pour l'instant. Donc, on a créé ça, c'est bon, fermé. Alors, les drogues, bon. Ben, pour le moment, pas de drogue, on n'en a quand même pas. Et donc, une fois qu'on n'en aura plus, ben, de toute façon, je suppose que je serai, plutôt que le chauve, là, sera, n'aura plus son addiction au wake-up. Mais ça va être très dur, très 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 dur. Alors tu m'as soigné de combien toi? Tu m'as soigné de 8,1%. Ben, c'était assez génial ça. Déjà, descendre tout le monde ici. On va mettre tout le monde en assignation. La bouffe, ça va être pour le moment. On va
Ben, vous n'avez pas d'autre chose que pour le moment que de bouffer. On va vous mettre d'office en raffiné. Et on va vous autoriser, on va vous interdire tout ceci pour le moment. Pâte nutritive, on s'en fout. Gastronomique, on ne bouffera certainement à peu près jamais. Et donc pour l'instant, on n'a que ceci. Non, on va plutôt faire comme ceci. Voilà, ça c'est le véritable fermier. On va créer juste une nouvelle règle. Pour le moment, nouvelle alimentation, on va dire début. Voilà. Et on va tout effacer. Bien. Et on va juste garder pour le moment les rations de survie, c'est tout ce que nous avons. Donc tout le monde passe en début. Voilà. Ça, c'est fait. Tenue vestimentaire, pour le moment, on n'a pas le choix, on n'a rien d'autre d'intéressant. Libellule, tu fais ça et puis t'enfiles le chapeau, c'est bien. Grizzly, tu fonces là-bas. C'est bien aussi. Mais est-ce que j'ai besoin vraiment que tu me fasses ça? Parce que tu n'as que 30 métaux pour ça. Donc tu vas plutôt démolir ça. Démolir ça. Et tu vas donc venir ici. Tu vas démanteler tous ces trucs-là. Ouais. Non. Grizzly. Tu vas prioriser ceci. On va essayer de foncer là-dessus. J'ai besoin que tu me fasses ça. Ceci, pour le moment, on va faire ceci pour ne pas l'autoriser au départ. Notre urgence, c'est de créer un toit. Ignorer la zone de plafond ici. Et étendre la zone de couverture. Comme ceci. Ça, c'est l'urgence. Ceci, c'est l'urgence. Alors. Enfin, comme ceci, voilà. Donc, ceci, c'est l'urgence. Oui. Donc, toi, mon ami, tu vas effectivement transporter tout ceci. Bien. Le chauffe, t'es occupé, t'es parti. Alright, on continue. Libellule, tu vas larguer ça. Tu viens. Je me suis fait avoir. Tant pis, c'est pas là. Tu t'es fait avoir. Grizzly, tu te rapportes ça. Ok, libellule. Tu construis les toits. Ben, ouais, j'ai fait une petite erreur là. C'est pas grave. J'ai tout largué, mais c'est pas très important. Voilà. Grizzly, tu me fais quoi? Non, tu vas directement venir me construire architecte. Énergie. Des éoliennes. Alors, des éoliennes, moi je veux sortir là. Donc, j'ai une porte. On va pas aller trop loin. On va se mettre ici. Sauf que je voulais plutôt un truc dans ce genre-ci. Ouais. Comme ceci. Je vais pouvoir construire un mur là-bas. Donc tu vas me faire ça. Grizzly. Grizzly, tu viens me chercher ça. Alors, le toit, où en sommes-nous?
C'est pas mal. Libellule, tu me fais 30 aciers jusqu'à climatiseur, mais c'est génial. Ok, vas-y. Vas-y, 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 ma poule. Alors, est-ce que Grizzly est toujours en bonne santé? Ça y est, ça démarre. Libellule aussi, le chauve n'a pas encore de problème. Donc le chauve, toi, tu vas. Ok, malheureusement, il n'y aura sans doute pas beaucoup de vent, parce que dans ce genre de truc ici, il n'y a pas beaucoup de vent. Ceci, j'ai besoin également. Alors, toi, pour le moment, tu restes ouvert. Et toi, on va t'autoriser parce qu'il faut de toute façon que je te ferme. Ouais, ça. Oui, ok, là, c'est bien. Toi, tu vas me chercher. Bon, le chaud, tu t'as. Tu t'occupes de transporter tout ça, c'est bon. J'ai besoin que tu me construises ceci, Grizzly. Alors, combien il faut 100, hein, c'est ça? Et ici, il me faut. Ok, donc tu t'occupes de ça. Fais-moi ceci. Allez, petit gars, il va falloir foncer. Non, 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 certainement pas. J'ai dit étendre la zone à ciel ouvert ici. Et donc tu vas supprimer le toit. Ok, parce que là. Ça serait grave. Jean, tu vas. Comment est ta santé? Eh bien, tu vas descendre ton manteau ici. Parfait. Ensuite, Grizzly, tu vas venir prendre ceci. Le chauve. Non, tu ne vas pas construire de toit. Tu ne vas pas faire celui-ci. Tu vas aller me chercher ceci. Donc, le chauve, tu viens ici. Et ici. Voilà. Pourquoi est-ce que vous me faites un toit ici, les gars? Zone. D'accord, je comprends. Je ne veux pas que vous me créiez deux zones, les gars, c'est fini les zones. Là. Ça, vous allez arrêter de me créer des toits partout où je ne le souhaite pas pour le moment. Voilà. Pour le moment, on ne va pas travailler avec des toits en plus ici. Voilà. Grizzly. Ok, pourquoi vous construisez encore des trucs là? Architecte. D'accord. Pour le moment, ignorez la zone de plafond. On fera ça plus tard. Ok. Grizzly, tu t'habilles. Ok. Toi, tu construis un truc en métal. Sauf que je préférerais que tu viennes apporter l'éolienne. Viens, Grizzly.
Tu finis la porte, c'est parfait. Libellule, tu transportes encore un petit peu là, bien. Parfait, donc ça reste fermé. Toi, tu vas où? Tu veux construire un toit. Architecte étendre la zone à ciel ouvert. Laissez-moi voir les toits, merci. Donc, on va faire pour le moment comme ceci. Ok, maintenant, j'ai besoin que Grizzly, tu me fasses le climatiseur. Parfait. Toi, tu es parti chercher 53 aciers. C'est trop loin. C'est beaucoup trop loin. C'est beaucoup trop loin. Chauve, tu es parti là. Donc, j'ai besoin de libellule que tu me mettes les composants. Non. Libellule. Grizzly. Non, tu vas pas faire ça. Tu vas me faire un tout petit peu de minage. Grizzly. Voilà, ta santé, comment est-elle? Ok, libellule, ok, chauve, toujours bon, all right. Toi, ma belle. Ok, tu vas prendre les 4 bêtes trucs qu'il y a là. Ça n'en vaut pas vraiment la peine. Je vais plutôt t'envoyer ici. Libellule, démonte-moi ça et ça. Puis il y aura ça aussi à démonter. Ok. Allons-y. Donc pour le moment, toi, tu restes ouvert le temps qu'il finisse son travail là. Jean. Tu as 74, ok, c'est parfait. Et j'ai besoin également de pour l'énergie de câbles électriques. Donc 1, 2, 3, 4, 5, à peu près comme ceci. Voilà. Ok, le chauffe, c'est reparti chercher combien? Quarante et un, 59. Ok, 59 plus et celui-là. Alright. Lizzie, dès que tu as fini ceci, je vais l'annuler. Ah, c'est un petit peu une course contre la montre. On pourrait ici tricher un petit peu. Enfin, je veux dire tricher, c'est pas vraiment obligatoire. Je pourrais très bien créer une caravane et envoyer le chauffe, par exemple, charger tout en une fois. Je pourrais tout charger, tout le métal à peu près, une grosse partie en tout cas du métal en une seule fois. Mais bon, on va pas faire ça. En créant une caravane et puis en mobilisant la personne, vous pouvez charger complètement l'inventaire de la personne. Allez, viens. Ok, stop. Viens maintenant ici, mec. Ici. Ok, libellule. Tu fais ça, c'est parfait. Beaucoup de travail pour tout le monde. Alors, par contre, ce qu'on va faire. Je ne suis pas certain. Libellule, pour le moment, est à
7,73. Donc elle n'est pas encore à 100%. On peut le voir ici. Je vais charger un preset ici qui s'appelle Wartam Plus. Et on peut voir ici dans les constructeurs la chance de réussir une construction. Et vous voyez, ah ben, on a Grizzly qui n'a plus que 98 et 96 pour Libellule. Vous voyez, et 83 uniquement pour le chauve. Ça, pourquoi? Parce que Grizzly normalement avait 100%, mais comme sa santé est diminuée, est un petit peu diminuée, vous voyez, c'est la même chose, on l'a ici, hein, 98, 98. Manipulation 95%, vous voyez, elle est à 30% d'importance. C'est parce qu'il est malade, c'est parce qu'il est en mauvaise santé, il a une forte transpiration. Donc on va quand même essayer que ça soit lui qui finisse les constructions ici. Il reste 24. Donc je vais empêcher le libellule de faire celui-là. Hein, pour qu'il ne me casse pas les composants ou vice versa. Hein. Ce serait bien trop dangereux. Ok, chauffe, t'en es où et t'as quelle ta santé? Insolation, forte transpiration. C'est parti. Est-ce que vous avez faim, les petits gars? Est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous avez faim? Pas encore. Est-ce que ces petites bestioles-là ont déjà bouffé? Non, mais elles vont bientôt aller me bouffer mes trucs. Jean le chauve, tu vas aller me chercher la bouffe. Alors, où est-ce que j'en suis ici? Donc, on a récupéré la plupart de ce que j'avais besoin. Pour le moment, toi, tu vas être fermé. Ça, pour le moment, ça restait ouvert, mais plus pour longtemps. On va te fermer ici. Il me reste 52, 111. Alors, 111 et 3 composants. 111 et 3 composants. Chauffe, tu vas me... Tu vas aller me chercher ça. On est trois qui sont ici et ceux qui sont en bas également ici. Avant que les bestioles ne viennent les manger. Donc, prioriser, prioriser, prioriser. On continue. Voilà. Ça devrait être bon également. 17 de travail. Ok. Toi maintenant, tu vas me faire le câble électrique. Tu vas continuer ici sur les câbles électriques. Toi, tu me fais l'éolienne. Toi, tu me continues le câble électrique. Là, libellule, tu es parti démonter une barrière. Ok, alors tu en es où? Isolation forte, on est toujours vivant. Qu'est-ce que j'ai? Il me reste 111. Avec 111. Ah, tu es fermé. Viens plutôt ici. Voilà, comme ça on ferme la porte. Tu vas me faire quoi maintenant? Tu vas aller démonter la barrière de béton? Oui. Maintenant, on peut, je pense, 11 et 2, donc là, c'était bien la zone de stockage. Ok.
On va. Alors, il me faut une double isolation. La libellule, tu vas fermer le toit maintenant. On va fermer le toit. On va fermer le toit. Ici. Voilà, comme ceci. Ok, qu'est-ce qu'on a? 0 watt pour l'instant. Tu construis à toi. Non, ça tu vas pas construire de toi. Tu vas me faire une double isolation ici. Pour le moment. Autorisé. 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 Et autorisé. On a du jus, les enfants. On a du jus ici. Ça fait du bien. Donc, il fait déjà plus que 46 degrés. Ouf! Bon, ben alors là, ça c'était la chose primordiale à faire. Primordial de chez primordial. Le seul problème que je pense avoir fait, c'est qu'en faisant ceci, je pense qu'on a cassé un petit peu notre sécurité. Tant pis. Alors, est-ce que tu as bien pris tout ce qu'il fallait au niveau de la bouffe? Non. Chauve, t'es parti par où? Non, tu viens par ici, mec. Tu viens ici. Tu viens ici. Transporte. Transporte. Et transporte et ensuite tu reviendras prendre ce qui traîne là-bas. Comme ça. Bien. Quels sont nos prochains... Donc là, on a un petit sas qui va bientôt être fini. On va pouvoir autoriser ceci après. Libellule, je te laisse terminer ceci. On va mettre ceci à température cible. Ça sera parfait pour moi pour l'instant. On va créer des pieux. Alors, mobilier, il me faudrait une table en bois. Pardon, en métal, pour que nos personnages puissent manger. On va faire un lit, deux lits, trois lits. La table pourrait être mise. On pourra la mettre ici, pour le moment, avec au moins une chaise, au moins une. Ici. Donc, toi, tu me finis la porte en métal, ensuite tu me finis le mur, tu me fais la table et tu me fais la chaise. Ok. Libellule, tu es parti démonter la barrière. Ça me convient parfaitement. Jean, tu es parti aussi. Ok. Toi, tu te termines tout ceci, c'est bien.
fini ton travail, Grizzly. Ok. Libellule. Libellule, tu vas plutôt. T'es comment, Libellule? T'as une insolation, mais tu peux travailler encore. On va faire ceci. Et ceci. Et à plutôt faire comme ceci. Voilà. Toi, tu es parti chercher 4 pour la chaîne. Alors, il te manque combien? Là, tu as tout ce qu'il faut. Ici, il ne te manque pas grand-chose. Donc, je n'ai pas envie que tu me fasses ça, mec. Je voudrais plutôt que tu me termines ceci. Et puis, la table. Et, ouais, on va faire ça. Bien. Il me faut absolument un toit. Ici. Donc on est bien à l'intérieur, 57 ici. Ici nous sommes à 32 degrés. C'est parfait. Il n'y a déjà plus assez de jus. Ça, ça fait mal. Construire une copie. Ça, ça fait vraiment très très mal. Bien. On va te passer là. Ou bien. On pourrait te placer ici. Ce qui serait aussi bien. Normalement, tu n'es pas gêné. On va faire comme ceci. Affreux. La chaleur, 36, ça va encore. Alors, au lieu de construire à toi, ma chérie, tu vas venir me faire ça. Ainsi, tu vas me prendre, pas que 11, mais beaucoup plus que 11. Et donc, on va, hop, et on va lui dire de nouveau de me faire l'éolienne. Voir si elle va me prendre que 22, ou bien si elle va prendre les 11 qui sont là avec. Bon, moi, je ne vais pas les prendre, tant pis. Où es-tu, mon petit Jean? Tu es là-bas. Est-ce que tu as pris tout ce qu'il fallait ici? Ok, c'est bien, mec. C'est bien, mon petit. Toi. Alors, tu ne vas pas prendre seulement ça. Tu vas également prendre Grizzly. Viens me prendre ceci. Prioriser. 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 Et... prioriser. Puis apporter la chaise. Libellule. Que me fais-tu? Alors, Libellule, tu vas aller mettre 53. Je crois que tu iras plus vite. Ouais, non, ça devrait aller. Bon, là, j'espère que je touche rien. Non, normalement, je ne touche rien.
crise de démence pour le chauve. Alors, quel est ton problème, mon ami? Tu n'as plus. Oui, et ta santé, t'as une insolation mineure aussi. Bon, il va nous falloir également, tout de suite, créer loisir, un petit piquet. On va mettre, ici il sera parfait. Voilà, pas en bois, hein. En fer, bien sûr. Voilà. Est-ce que tu as mangé? T'as pas encore mangé? Vous allez manger après, Tina. Ça fait loin. Hein. Ça fait tellement loin. Ça fait tellement loin. Qu'on va pas la laisser aller jusque-là. Alors, ça fait trop loin pour elle. Viens faire ça. Voilà. Toujours 53. Mam. Il faut combien pour faire un piquet? 20, c'est ça? 10. Ah! 4 et 11. T'as 11 dans ma miche. On va pas faire ça. On va pas faire ça. On va. Ordre, on va miner ceci. Et on va dire à Libellule de venir miner ça. C'est beaucoup trop loin. C'est beaucoup trop loin pour elle. Jean, est-ce que tu as pris ce qu'il y avait par terre là? Non, tu ne m'as pas pris. Tu vas me prioriser ça. Et puis tu vas me prioriser là. C'est pas toujours évident. Mais je vais devoir encore une fois y aller. Hein. Que tu ne veux pas, stop. Ah, ça y est, il l'a pris. Merci, mon ami. Bon, il fait quand même 54 de nouveau là-dedans, malheureusement. Et même avec les deux, 92 plus 92, ça fera 184. Et il faut 200. Ouais. Il me faut 200. En plus, là, je n'ai pas de lumière. Donc, on va quand même tirer une lampe. On va tirer une lampe. Jusqu'où? Je peux tirer une lampe jusqu'ici. On va augmenter un petit peu. J'ai besoin, par contre, de lumière à 1, 2, 3, 4, 5. À peu près à ici quoi. Environ ici. On va mettre ici pour être tranquille. Et donc j'aurai besoin d'énergie, d'un câble électrique. 1, 2, 3, ils ont 4. Et Libellule, on va te laisser finir, malheureusement, je suis obligé, j'ai pas trop le choix. Toi, tu vas faire les câbles. On est à combien là? On vous oublie 80. 24. 28.
T'es dans quel... On va vous faire bouffer, les gars, parce que là... On va vous faire bouffer. Malheureusement, on va être un peu trop con. Non, tu vois, 80, ok, ça va. Combien il m'en manque ici? 43. On va pas faire comme ça. On va t'obliger à venir finir la chaise en métal. D'abord. Jean. Je voudrais pas que tu manges tout de suite. Malheureusement, tu es en tellement mauvaise santé. Tu as combien? 41. Le problème pour toi, c'est que tu es névrosé. Celui de crise de nerfs plus 8%. Donc, normalement, c'est ici. Donc, pour le moment, c'est encore bon. Tu es encore bon. Donc, je ne veux pas que tu manges maintenant. Et donc, je veux que tout ceci soit comme ceci. Voilà. Et que tu ailles me chercher. Voilà, jusqu'à... Tu vas faire ça, c'est bien. Comme ça, ils ne peuvent pas le manger pour le moment. Ok, tu es parti chercher 18 jusqu'à la zone de stockage. Non. Comme ceci, voilà, parce que je veux que Grisly ait terminé la chaise, et ça c'est important. Voilà, tu es parti maintenant me chercher ça, tu vas bientôt pouvoir les manger, mon ami, tu vas bien. Travail restant 121, la vache! Bon, l'humeur va descendre trop bas. Faut que tu bouffes. Il faut que tu manges. Il faut que tu manges. Mange. Malheureusement, t'as pas le choix. Ouais, fais-moi chaud ici, toi, hein. C'est normal parce qu'ici il fait 63 et là il fait 63 aussi. Ok. Tu vas... Oui, qu'est-ce qui reste là? 10, 20, non. Tu vas me chercher... Isolation, insolation sérieuse. Aïe, 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 c'est affreux. C'est affreux, ils vont mourir, mes petits jeunes ici. Attendez, où? Insolation mineure, ça va. Toi, insolation forte. Non, insolation forte transpiration. Donc, toi, ça va encore. Le problème, c'est le chauve. Lui, il est vraiment mal barré. Toi, tu me fais quoi? Tu me fais ça. Ok, c'est une bonne idée. Bien, ensuite tu vas pas jouer au fer à cheval tout de suite. T'en es où toi? Ton humeur est encore suffisamment bonne. 35, il m'en faut encore combien? Beaucoup trop. Ici.
88. On va continuer à ceci. Ah. Donc, viens ici. On va essayer de le travailler comme ceci. Vite fait. Un jour, tu vas y jouer, ça devrait aller. Ok, tu es parti faire quoi? Tu vas d'abord me mettre ceci. Tu te fous de ma gueule, toi. Hein? Bon. Transporte. Ah, tu veux pas, hein? Là. Tant pis. Ok, j'ai pas le choix. J'aurais voulu qu'il valait me déposer ça là, et puis. Servir. Ah, il refait bon. Ah, ouh. Sur la science sérieuse. Et ici, il fait. Voilà, 10 assiettes jusqu'au lampadaire. Tu m'auras fait faire des petits tours et des petits détours, mais c'est pas grave. Libellule, insolation mineure, t'es toujours bonne. Toi, insolation tout court, ça va. Pour le moment, ils tiennent de coup. Toi, tu vas peut-être pas finir ça. Alors, nous avons acier 1, acier 1, acier 1, acier 1. Chauve, tu as une construction de 2,55, tu vas me la rater dans tous les cas. Donc, pour le moment, je ne comprends pas pourquoi tu as le droit de me faire la construction tu as le droit de désinstaller, de construire des toits, de supprimer des toits, d'apporter, et c'est tout. C'est parce que je l'ai forcé. Voilà, maintenant il ne pourra plus le faire. Alors pourquoi est-ce que je peux faire ça? Parce que j'ai mis un mode qui permet de donner l'autorisation à un colon de faire un travail pour lequel il n'a pas été autorisé ici dedans, mais qu'il a la possibilité de le faire. Donc je ne peux pas lui demander de nettoyer, s'il ne peut pas nettoyer, mais je peux lui demander de construire s'il a la capacité de construire sans devoir rajouter dans le travail, sans devoir modifier son truc de travail. C'est ça qui m'intéressait le plus. Il nous en reste combien? 55. Donc, ton plus gros problème à toi, c'est une insolation sérieuse. Donc, tu es obligé de rester au frais. Tu vas donc jouer un petit peu. Et on va continuer à te surveiller un tout petit peu ici. Avant que ça ne déconne de trop. Donc là, tu récupères un tout petit peu de plaisir. Ce qui n'est pas plus mal. Grizzly, tu te finis. Ceci, c'est magnifique. On va demander au chauve, une fois qu'il a terminé, on va construire ici. Un lieu de couchage pour l'instant, qu'on va positionner 1, 2, et un troisième ici, ça sera parfait. On va dire que ça c'est pour Chauve, voilà, et comme ça Chauve il va pouvoir aller dormir avant de mourir. On va aller le reposer. On va l'envoyer maintenant. Travail restriction. Donc le chauve, il est quelle heure maintenant? Il est 19h. Donc on va t'envoyer au pieu dormir à 20h. Voilà.
Comme ça, au moins, tu vas descendre la température. Libellule, tu termines la construction de lampadaire. Ouais, ça va. Griseline, tu peux faire de la relaxation, mais on va vous autoriser à manger cette fois-ci. Et on va proposer de ramener tout ceci à l'intérieur, avant que ça ne se fasse bouffer. D'ailleurs, c'est Chauve qui va s'en occuper. Chauve, il va finir son truc. Toi, tu as besoin de manger. Ok? Toi, tu vas finir. Vite fait, tout ceci, et puis tu mangeras. Après, à ton tour. Donc pour le moment, ça, je l'interdis aussi. Comme ça, Libellule mange. Et ensuite, ça sera. Donc, il y a une chaise en métal normale. Malheureusement, tout est normal. Dommage, c'est pas un petit peu mieux. Grizzly, tu me fais quoi? Tu ne peux pas manger. Non, je ne veux pas que tu manges. Je veux que tu transportes. Ah, t'as pas le droit de transporter. Donc, ça va être Libellule qui va transporter. Tu peux pas transporter. Toi, tu peux pas transporter. T'as pas le droit de transporter? Grizzly, si t'as le droit de transporter. Grizzly. Transporte. Donc, on va laisser Libellule manger. Mange ration de survie, ok. Comme ça, la chaise sera libre. Ok, t'as fini de manger? Parfait. Je veux pas que tu fasses ça. Je veux que tu ailles me faire autre chose. Relaxation sociale. Voilà, tu vas aller me faire ça. On va enlever le toit parce qu'on voit plus grand-chose ici. Donc on est bien en intérieur, on est bien en intérieur. Toi, tu stops ce que tu fais et tu vas manger ration de survie. Et tu vas aller manger à table, bien entendu. Parce que là, t'as faim, hein, mec. Ok, chauffe. Comment vis-tu? Santé. Il est 20 h, tu devrais normalement aller dormir. Voilà, t'es parti dormir, c'est parfait. Ça va te faire beaucoup, beaucoup de bien, Sleepy. Tu es parti prendre les rations, tu vas pas prendre des rations de survie, tu vas les prioriser. Malheureusement, ça va à chaque fois réveiller le petit chauve, mais tant pis, hein, on fera avec, hein. Je voulais juste vérifier, mets-toi, ok. Comme ça, parce que la petite bestiole là, elle est venue, elle vient me bouffer ma ration de survie. T'as vu la vitesse à laquelle elle va, petite vicieuse, là? Qu'est-ce qu'il me dit là? Le bagarreur sera mécontent. Ah, il n'aime pas ça. Bon.
tant pis, on va perdre une ration. C'est pas grave. Où est l'autre? L'autre, il est où? Ça. L'autre, il est ici. L'autre, il va mourir de faim. Mais non, tant pis. Toi, tu as des œufs. Tu ponds des œufs dans 2,5 points. On pourrait t'apprivoiser pour récupérer au moins des quelques œufs. Ouais. On va faire ça. Chauve, c'est comment? Solation mineure cette fois-ci. Qui est-ce qui est bon? Animaux. Animaux. Grizzly. Ouais, non, ça va lui donner une bouffe en plus. Tant pis. Prends le truc. Touc. Et tu tires sur l'iguane. Voilà. Il est mort. Il est bleeding out. Donc, tu poses ça. Touc. Matériel. Tu le déposes. Ouais. Descends ça. Il est occupé de fuir, c'est parfait. Je n'en veux pas plus. Transporte. Voilà. M'embêter, cher ami. Santé, elle est morte à peu près. Grizzly. On t'a qu'il y a. Voilà, parfait, c'est tout. On stoppe et tu vas transporter les rations. Toi, tu me fais quoi? Tu relaxes? Non. Tu vas transporter les rations de survie. Et transporter les rations de survie. Parfait. Où est-ce qu'on en est? 24 plus 25. Quelle est ta santé? Ta santé est parfaite. T'as du repos, t'as mangé, il te manque du plaisir, mais toi, tu peux encore venir un petit peu travailler par ici. 12, 11, 11, 11, 12. Donc, Grizzly. 1, 2, 3. Viens me faire ça. L'autre, il voudrait bien manger aussi. Bon, Grizzly, t'as pas le temps de faire ça. Tu viens ici. Avoir un clos de petit connard, là, il vient de me les bouffer. Voilà. Parfait. Alors, Grizzly, tu déposes ça, tu vas un petit peu nettoyer. Ah, pardon. Ouais, ben, c'est bien là. C'est parfait. On peut nettoyer le sang parce que c'est pas propre. Donc il y a un peu trop de sang. Il y a encore du sang ici. Ah non, c'est le chapeau qu'on voit là. Bon, on va peut-être un petit peu nettoyer ici. Il n'y a plus rien à nettoyer non plus. Ok, ben on va te laisser un peu reprendre un peu de plaisir. La température 32, la température 46. Chauve, comment es-tu? Insolation mineure. Chauffe, ton plaisir est bon. Viens, 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 viens. Ok. Alors, 20, 30, 40, 50.
Va me chercher. Jean, tu viens me chercher ça. Bah, tant que tu peux, ça sera déjà ça de gagner. Libellule, tu me faisais quoi? Tu me faisais de la relaxation sociale. Maintenant, tu es bien. Tu es bien. Tu vas, puisque toi tu ne peux pas transporter, tu vas me faire ceci. Libellule, tu viens faire ceci. Grizzly, tu as besoin de te mettre un petit peu de plaisir. On va te mettre un peu de plaisir. Pour le moment, on va le laisser, hein. C'est pas la peine de le mettre au frais, etc. On va le laisser petit à petit mourir. Comme ça, on gagne un petit peu de temps sur ce qu'il a besoin de faire. Grizzly, ta santé est parfaite. Toi, tu as une petite insolation, mais pour le moment, c'est bon. Donc, il fait maintenant 46 degrés ici, donc ça commence à devenir bien. L'autre, qu'est-ce qu'il fait, l'autre, là-bas? Il s'enfuit peut-être. Non, il va manger de l'herbe folle. Hein. Il reste un petit peu d'herbe folle ici. Vous allez voir que ça ne va pas le remettre des tonnes, mais l'herbe folle est à 87% mûre. Et on va regarder ce que ça va lui donner comme nourriture. Voir si c'est possible de les garder ou pas. Non, oui. Ah ben voilà, il a eu 100%. C'est parfait. Donc il est parti se reposer, c'est bien. Mais il n'y en a pas beaucoup d'herbes, hein. Il n'y en a pas beaucoup de parts. Ok, on a un petit peu plus de métal. Grizzly, tu me fais quoi? Tu vas te reposer un peu? C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Risque de démence mineure pour toi. Pourquoi est-ce que tu as un risque mineur? Parce que donc, seuil de crise de nerfs mineur 50%. Je vais quand même te laisser aller jusque-là. J'espère que tu ne vas pas avoir ta crise. Et puis après, tu iras de nouveau. Tu iras de nouveau. Donc, vous vous dormez, toi. T'as besoin aussi de te reposer. Bon, pour le moment, on tient le coup là. Mais ça ne va pas durer, je pense. Combien me coûte le poste basique en métal? 100 aciers. J'ai besoin de. Très rapidement avoir ceci. J'ai besoin de ceci très rapidement. Mais je ne sais pas si il se déplace. Tant pis. On perdra 100 de métal, mais c'est pas très grave. Voilà. Bon, température, c'est pas très important pour le moment. Ce que nous pouvons faire, ça va être de. On va devoir construire un mur ici. Ou ici plutôt. On va plutôt faire ça. Structure, on va créer un mur en métal, deux murs en métaux. Un mur en métal. Voilà, on va faire comme ceci. Genre, est-ce que tu es toujours en. Tu es à 49%. Insolation mineure. Ok, tu reviens, c'est parfait. Ça va, ça va, ça va. Ça va aller. Ok, donc l'iguane morte.
deux jours et demi. On va la positionner. Alors, est-ce que j'ai une place? J'ai une place. C'est un cadavre, mais tant pis, on va faire avec. Zone de stockage ici. Ici, elle sera parfaite. Et nous voulons ici, tout effacé. Je veux les cadavres. Voilà. Viens déposer ça là. Stop. Et puis maintenant, tu viens ici. Transporte l'iguane. Bien, ensuite, qu'est-ce que tu vas me faire maintenant? Tu vas te reposer, c'est une excellente idée. C'est une excellente idée. Ok. On va vous laisser récupérer un petit peu, les gars.